Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mon Get Ready With Me du réveil. Donc, comme chaque année, je vous filme le make-up, la coiffure et la tenue. Je sais plus si je fais ça toutes les années. La tenue, pas parce que j'avais beaucoup de mal avant à montrer mon corps. Mais là, je vais tout vous montrer, sauf que je viens de voir que j'ai presque plus de batterie, donc ça va m'enquiquiner. Alors que je dois vous poster la vidéo dans la journée quand même. Voilà. Donc, on va pas trop traîner, puisque je vais faire tout, mon teint et tout ça avec vous. Donc, je mets ma base Sephora. Voilà, je mets ma base Sephora. Ça va être un peu foutoir, parce que il est tard pour tourner la vidéo, il va être 11h. Normalement, je la tourne beaucoup plus tôt, cette vidéo, pour être sûre de faire le montage à temps. Vous la publiez vers 15-16h. Donc là, je ne sais pas du tout à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Mais comme ça, si vous voulez vous préparer en même temps que moi, eh ben, vous pouvez le faire. Voilà, comme ça, on se maquille entre copines, juste avant le réveillon. Ou entre copains, non. Mais j'aime bien faire ça. Et je sais que vous aimez bien voir ça aussi. Voilà. Fond de teint Catrice True Skin comme d'habitude. Et j'en profite pour vous mettre la dernière participation bonus au concours. Donc le concours se termine demain soir à minuit. Voilà. Donc il suffit de me mettre cet émoticône. Le Papa Noël, c'est tout à fait normal puisque... c'est quoique je me demande si je vous ai pas mis une participation bonus dans la vidéo de demain quand même. Non, il n'y en a pas dans celle de demain. Qui demain est la surprise que j'ai trop hâte de vous partager. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent avec impatience. Qu'il y en a qui ont essayé de me tirer des verres du nez, mais ça n'a pas marché. Voilà, voilà. Donc si jamais pour le concours, vous avez le lien en barre d'infos et vous pouvez participer, vous avez la vidéo, donc tout expliqué dans la vidéo pour participer au concours et que je valide votre bonus. Alors, je vais mettre du fond de teint et de l'anticerne sur mes paupières aussi, puisque vous allez voir que question make-up, je vais pas trop me fouler. Je vais refaire celui que j'ai fait avec le mixing liquide Mérone. Enfin, je vous remets dans le petit, je vais faire à peu près la même chose. Alors ça me fait trop rire parce que hier j'ai regardé mes vlogs en retard de Marion Caméléon et elle a fait un liner graphique bleu qui est quasi, enfin à peu près le genre de make-up que j'avais envie de faire pour aujourd'hui. Alors on va encore dire que je la copie alors que j'ai l'idée depuis que j'ai fait le mixing, la vidéo du mixing liquide, hein, voilà, celle qui me plagie en fait. Donc, dites-moi en commentaire un peu ce que vous vous faites ce soir. Je sais que c'est un réveillon assez spécial pour tout le monde. Pensez, vous, chers amis français, que vous avez la chance de pouvoir inviter des gens, ce qui n'est pas le cas en Belgique. On n'a pas le droit de faire les réveillons. On a le droit d'inviter une personne en dehors de la famille qui vit dans le foyer. Donc, autant vous dire que, à part si vous connaissez des personnes isolées, c'est personne, quoi. Mais sauf que nous, comme on a la chance d'habiter à la frontière, mais vraiment à la frontière, hein, j'habite à 20-50 mètres de la frontière, hein, moi. Et que mon frère habite, du coup, dans le patelin français juste à côté, on fait Noël chez lui, enfin le réveillon, du moins. Donc, on fraude un peu, si vous voulez, sauf qu'on ne transgresse aucune loi, puisqu'on rentrera en Belgique qu'après le couvre-feu, donc après 6h du matin, ou avant minuit, mais bon. Ça serait étonnant. Donc, on ne transgresse pas le couvre-feu belge et ni les lois françaises, puisque mon frère n'a pas invité plus de 6 adultes en plus de son foyer. Donc, voilà. Et au moins, ça me permet de faire un réveillon avec mes neveux et nièces. Poudre de chez Too Faced, de chez Sephora. Donc, je poudre au pinceau mon dessous de yeux pour pas que ce soit trop poudré.
et à la houppette que je ne sais pas où que c'est que je l'ai mis. J'ai mis où ma houppette? Je l'ai pas prise. Si j'ai pris, je voudrais le reste de mon teint. Alors si vous vous maquillez plus tôt, hein, comme moi aujourd'hui, il faut avoir confiance à vos produits. Hein. Faut être sûr que ça tienne. Moi je sais que j'aurai un petit souci au niveau du nez, du bout du nez, parce que comme j'arrête pas de me moucher comme tous les ans en hiver, forcément, ça va un petit peu s'effacer. Mais sinon, le reste de mon teint, je sais que ça va pas trop bouger. Donc je suis contente. Bronzer, toujours le Oula. En fait, je vous répète tout le temps la même chose. Donc, j'espère que la vidéo va être assez courte quand même. Faut pas que je fasse trop long parce que après je dois faire le montage, enregistrer le montage qui prend déjà quelques heures. Plus la publication qui prend encore quelques heures. J'en peux plus là. En même temps, je ferai des vidéos où je parle un peu moins. Ça irait peut-être un peu plus vite. Mais j'en fous. J'aime bien parler. Donc je vais pas m'en priver. Voilà. Je sais que vous aimez bien. Alors ça m'a trop fait rire sous une vidéo là où j'ai mis 8 minutes 23. Elle faisait 8 minutes 23 la vidéo. J'ai Laura qui est venue, qui m'a dit qu'elle se sentait trahie par la durée de la vidéo. Qu'elle prenait ça comme une trahison tellement elle était courte. Ça m'a trop fait rire. J'essaye de faire assez vite. Hein. Voilà. Alors là j'ai mon t-shirt, regardez. Bébé Yoda. Voilà. Depuis que je l'ai, je m'en sers comme pyjama. Enfin, de toute façon, je mets toujours un t-shirt comme pyjama, non ? Blush, je vais prendre le petit Harmony de chez Tarte. Si j'arrive à l'ouvrir, il fait de la résistance. Papy, il fait de la résistance. Donc voilà, nous, on va faire ça chez mon frère. Demain, on sera tous les trois à la maison. Hein, donc, j'ai le grand qui va quand même passer chercher son cadeau. Avec Georges hein, et mon mari. Et on fera juste une petite raclette devant la télé le soir. Comme ça, on peut se reposer un peu la journée. Et le 31, pareil, ce sera un petit repas. Mais je pense qu'on sera plutôt un big apéro devant les émissions de TF1. Le bêtisier, notamment. J'adore le bêtisier tous les ans. Même si c'est souvent la même chose. Voilà. Alors, je vais faire mes sourcils et fixer mon teint. Et je reviens tout de suite. Voilà, je vous ai rapproché pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Donc, je vais prendre mon fard beige de chez Catrice pour poudrer toute ma paupière. Comme ça, ça fixe l'anticerne et je suis sûre qu'il ne bouge plus et ça unifie et tout et tout et tout. Donc, partout, hein, jusque sous le sourcil. Du coup, je reprends mon bronzer et un pinceau fluffy, comme ça, pointu pour faire un creux large, juste pour ombrer mon creux, tout simplement. Donc, creux, coin externe et ras de cils. Alors, je reprends mon petit pinceau et la Turn Up The Light. Je prends la teinte Soft Focus pour mettre ici, sur l'arête du nez, le centre du front et le menton. Ensuite, je prends la teinte Glow, que je mets en highlighter classique, sur le haut des pommettes, le bout du nez et l'arc de Cupidon. J'en mets un peu sous le sourcil, pour bien accrocher la lumière. Et je prends la teinte Dazzle au doigt, là, et j'en mets juste sur le haut des pommettes et ma tempe. Pas sur le bout du nez, hein, parce que ça fait vraiment, vraiment Rudolf. Alors, j'aime bien faire Rudolf, mais pas Rudolf puissance 20, quoi. Vous voyez ? Voilà. Et j'en mets partout, sur ma paupière, jusque sous mon sourcil, partout. Ça va déposer des micro-paillettes. Trop yoli, yoli. Et maintenant, on va s'amuser. Je vais dégainer le liquide, mixing liquide de chez Meron. Les dorés, mais ça, on fera après. Enfin, les trucs dorés. Et je vais reprendre la teinte Bordeaux que j'ai utilisée dans la vidéo. J'ai racheté un petit miroir qui va me servir de plaquette pour faire mes mélanges. Puisque j'ai perdu l'autre.
Donc je vous laisse aller voir comment ce que j'ai fait dans la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure dans le petit lit. Et moi je vous retrouve quand mon mélange est terminé. Ok, mon mélange est fait. Pinceau liner. Et on y va. J'ai peut-être fait un peu épais là, non? On va voir. Donc je commence par un trait de liner classique. Oh, j'ai tellement craqué sur cette couleur quand j'ai fait le crash test là. Que j'ai dit tout de suite, je refais ça pour Noël. La virgule. Donc on viendra peaufiner après avec une deuxième couche. Il sèche super vite, c'est trop génial ce produit, franchement j'adore. Et donc on va faire le code crease aussi. Alors, j'ai toujours un peu de mal d'avoir exactement la même forme, mais bon, on fera comme si. Après, j'ai pas des paupières symétriques. Personne d'ailleurs. On va ici remonter un peu plus, mais bon, on fera comme si. Hein. Ok, pour le bordeaux. Donc maintenant, je vais passer à la poudre dorée. Donc là, il va m'en falloir un peu moins. On va faire attention. C'est trop beau ce produit, c'est un truc de fou. Ok, et oh, je vais essayer, de faire une petite guirlande dorée autour du bordeaux. Donc on passe une fois au-dessus du bordeaux, une fois en dessous. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté, mettre du crayon bordeaux, mascara fossile en rouge à lèvres, et je reviens vous montrer ce que ça donne, comme ça moi je peux charger ma batterie entre temps. Le temps que ma batterie se recharge, j'ai fini mon autre œil. Donc j'ai mis le mascara Glam & Doll Boost de chez Catrice sur les cils et les cils du bas. J'ai mis les faux cils de chez Catrice qui sont ceux-ci. Parce que ceux-là passent derrière mes carreaux, donc je peux les laisser sans aucun souci. Et comme je les ai déjà utilisés plusieurs fois, si au cours de la soirée je les enlève, si je les perds, c'est pas très grave. Je les ai déjà utilisés plusieurs fois, donc je pourrais les jeter. Et j'ai juste rajouté le Focalure Beam Platinum sous la queue ici du liner et sous le sourcil et en coin interne. Voilà. Ça, ça fait quand même festif. Et le crayon, c'est le bordeaux que j'avais eu dans le swap avec Manon. Voilà, je vous remets le swap numéro 1 ici. Et vous avez les deux autres parties de toute façon en barre d'infos de celle-là. Il est canon. Donc ça, il faudra juste que j'en rajoute un petit peu avant de partir. Pour être sûr que c'est bien intense, mais sinon ça. Donc avant de finir, donc rouge à lèvres, je vais passer à la coiffure. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Alors j'utilise le Babyliss comme ça. Je sais pas son nom, enfin je sais plus, il est très vieux. Il n'y a rien de noté, donc il est vraiment très 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 vieux, mais vous avez plusieurs embouts. Je le fais très rarement parce que c'est très long à faire. Mais voilà, donc je vais mettre mon petit sérum de chez L'Oréal, le Stylista Sleek. Donc c'est un sérum de lissage thermoprotecteur jusqu'à 250 degrés, donc voilà, une pompe, ce truc sent divinement bon, et je vais en mettre sur mes longueurs principalement. J'en mets quand même un peu en racine pour les frisottis. Je vais déjà faire mes séparations. Alors je vous passe, je vous explique pour une mèche, hein. Je vais pas vous faire tout le long parce que c'est très long, je vous passerai ça en accéléré. On prend une mèche de plus ou moins grosse épaisseur. Alors, il faut juste que je me souvienne comment ce qu'on fait. Hein. Donc, vous incurvez, là, vous introduisez la mèche dedans. Et ensuite, vous faites des 8. Donc, on essaye de bien centrer. Alors, c'est un peu chiant à faire, je vous le concède. Mais le résultat est tellement beau. Faites attention de ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. Et on attend quelques petites secondes, une minute ou deux, je dirais. Vraiment que l'histoire que la mèche prenne bien la forme. Après, moi j'ai les cheveux qui tiennent en forme très rapidement, donc ça va. Mais c'est assez chiant quand même à mettre la mèche. Souvent je m'en mêle et je dois recommencer, mais j'adore. Voilà. Et ensuite, on enlève la mèche sans se faire mal et ça fait des petites ondulations comme ça. Donc ça va se détendre, hein, mais c'est très joli. Et on fait ça ben, sur toute la tête, sinon ça fait vraiment bizarre. Mmh.
J'ai changé mon haut, mes cheveux sont terminés, donc maintenant qu'ils sont froids, j'allais dire qu'ils sont secs, je reprends un petit peu, mais j'essaye de mettre moins d'une pompe, mais c'est très compliqué, mais j'essaye, voilà. Je disperse bien dans mes mains et du coup, je vais en profiter pour détendre un peu et essayer de coiffer un peu les parties où ça part un peu en cacahuète, quoi, voilà. Mais ce produit sent tellement bon, hein. J'adore. Donc bien sûr, ils vont se détendre un petit peu au fil de la journée, hein, puisque moi, il est 12h20. On doit être à 19h chez mon frère, mais pas trop en fait. Moi, mes cheveux, j'ai la chance qu'ils gardent la forme que je leur donne très facilement. Mais donc, vous voyez le rendu de ces trucs-là. J'adore. Voilà. Donc, maintenant, je vais me coiffer avant de passer au reste. Donc, je vais juste faire une demi-queue. Voilà, c'est la base. Soit je fais mes deux petites couettes, soit une demi-queue. Toujours à peu près la même chose. Et je vais mettre ce petit élastique avec un petit nœud argenté. Puisque je n'aime pas trop le doré. Voilà. Je pense que niveau coiffure, on n'est pas trop mal. Ça fait du volume à gogo. Ça me fait penser à Super Nanny. Je ressemble à Fran Fine, les gars. Ouh, on dirait Fran Fine. Donc, je mets pas de bijoux, hormis les bijoux classiques que je porte toujours. Donc, en rouge à lèvres, je vais juste mettre le crayon pour faire mon contour et remplir. Donc, c'est le même que j'ai mis dans les yeux. Mais même tout seul, il est beau, en fait, sur les lèvres. Bon. Et par-dessus, je vais mettre un de chez Révolution que j'avais eu dans le swap toujours avec Manon. J'ai jamais testé cette marque-là, cette gamme-là, et c'est la teinte Movie. Mais ça a l'air d'être un Bordeaux quand même, donc on fera l'affaire. Et voilà, je vous montre le make-up d'un peu plus près et ma tenue complète. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà à quoi je vais ressembler ce soir pour réveillonner avec mon petit frère. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, vous vous êtes préparé en même temps que moi pour passer le temps, ne pas être seul devant votre miroir. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, si ça vous a plu. Et avant toute chose, je voulais vous souhaiter un excellent réveillon. Voilà, j'espère que vous allez être gâtés, que vous allez pouvoir profiter de votre famille. Si vous êtes en France et, ma foi, si vous êtes en Belgique, que vous allez quand même profiter de votre réveillon avec votre cocon familial habituel, que vous pouvez discuter pendant le réveillon en visio avec le reste de votre famille ou tout ça. C'est sûr que c'est un réveillon très particulier cette année. On a eu beaucoup de mal à se mettre dans l'esprit de Noël cette année. Mais voyons, les choses du bon côté, c'est qu'on est Noël, qu'on est avec les gens qu'on aime et voilà. Moi, je vous souhaite le meilleur pour ce soir, pour demain, pour tous les jours à venir. Voilà, je vous souhaite d'être gâtés autant que vous le méritez. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire. De toute façon, on se retrouve demain
à 18h. Vous avez voté pour que je vous publie la vidéo surprise à 18h. C'est une vidéo surprise assez longue. J'espère qu'elle vous plaira. J'avais vraiment envie de vous offrir quelque chose à mon tour en dehors du concours, mais il y aura que deux gagnants pour le concours. Là, ça sera pour tout le monde, tous ceux qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Au mois d'août, ça fera 9 ans, les gars. Et voilà, vous remercier pour chacun de vos commentaires, cette année passée en votre compagnie, encore, que vous soyez des anciens, que vous soyez des nouveaux. Vous me réchauffez le cœur chaque jour. Grâce à vous, moi, j'ai pu tenir pendant cette année particulière. J'espère que ça aura été pareil pour vous, que grâce à moi, vous avez réussi à vous changer les idées le maximum de fois que j'ai posté les vidéos. Et voilà. Maintenant, je vais vite filmer le close-up que vous avez déjà vu de ma tenue, que moi, je n'ai pas encore fait. Et je vais aller attaquer le montage pour vous publier ça au plus vite, puisqu'il est 12h30 quand même. Donc, je dois faire le montage et vous la publier. Il serait temps que je me bouge les popotins. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc on est content et on se retrouve demain pour la vidéo surprise que j'ai tellement hâte de vous partager. Et en attendant, je vous dis bisous bisous et surtout un bon réveillon.